pâtisserie au Big Mac? C'est une page d'histoire qui se tourne dans ce restaurant de Saint-Raymond. Une belle journée. Merci. Après 24 ans de loyaux services au McDonald's du coin, Pierrette Genois accroche son badge et prend la direction de la retraite. J'ai eu des émotions, beaucoup. Ah, ils disaient tout, oh non, tu t'en vas pas, oh non, t'auras pas ton sourire le matin, ça va être plate. Des milliers de clients servis, des centaines d'employés formés. Elle a marqué sa communauté qui n'est pas prête de l'oublier. Même, il y en a, là, que sont... quand j'ai commencé, c'était des jeunes, jeunes. Puis là, ils disaient, aïe, ça se peut-tu? Aujourd'hui, t'es encore ici. Puis ils sont rendus à 18, 19 ans, là. On a eu des bonnes relations avec du monde, que, tu sais, ils avaient hâte de venir au McDo pour venir me voir juste pour mon sourire et mon accueil, parce qu'ils disaient que tu vas combler notre journée juste avec ton sourire. Elle était toujours de bonne humeur. Après avoir passé autant de temps à travers cette fenêtre, des amitiés se sont même créées. Sauce barbecue? J'osais avec eux autres au service volant parce que, mettons, qu'on était 3-4 autos qui attendaient. Bien là, j'avais le temps de jouer avec eux autres parce que là, ils ne pouvaient pas avancer. Là, il y en a qui ont dit, bien, on va se revoir ailleurs. Une employée modèle qui va manquer à son employeur et son équipe, surtout en cette période où trouver du personnel qualifié est un défi. Défi à tous les jours de trouver des bons employés qui vont rester longtemps aussi. Être irremplaçable avec son rire et son sourire, elle va nous manquer. Ses derniers moments derrière le comptoir seront marqués par sa plus chère cliente, sa mère. Cette journée. Qu'est-ce qui vous rend fière? Fière. C'est elle. Ma fille. C'est votre fille. Vous êtes fière de son travail. Oui, c'est sûr. Je le savais que je t'aimais. Mais voir tout ça, je suis sur un nuage, c'est le mot. Elle sert son dernier café, mais garde avec elle son arme secrète, son légendaire sourire. Une belle journée. Bonne retraite, Pierrette. Merci beaucoup. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Saint-Raymond.